Hey, salut à tous les amis, c'est Dalila Parche Pokémon et Mijirachi. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Bon écoutez, ça va super. On se retrouve pour la dégustation candidat numéro 3. Donc, je vous invite tout de suite à aller voir le numéro 1 et le numéro 2 qui apparaîtra sur votre écran. Donc cette fois-ci, après la dégustation Pokémon et la dégustation salée, on se retrouve pour la dégustation sucrée. Donc bon, pour celle-là, pour celle-ci, il y a moins de risques, on va dire, de tomber sur des choses dégueulasses. Même, hein, bon, même. Moins de risques, hein, y a toujours des risques, mais bon. Donc cette fois-ci, on a une quinzaine de produits, donc on a un beau carton rempli. Ouais. Donc si vous voulez passer une commande Candysan, mon code parrain va apparaître ici sur votre écran, il sera dans la description, donc ça serait cool que vous passiez votre commande avec ce code pour que je refasse d'autres vidéos de ce type. Et puis vous allez avoir un pourcentage, non, de réduction? Ouais, ouais, un petit truc comme ça. Donc les amis, au rendez-vous des bonbons Mario. Voilà. Pourquoi pas. Super Mario 3D World, bon ça devait être pour la sortie du jeu. Hop. Je vais te présenter des trucs aussi. Mais je sais pas ce que c'est. Une patte de chien, une patte de chien. Une patte bizarre, je ne sais pas ce que c'est, on verra des bien. Des gâteaux de Disney. Voilà, toujours le Fanta qu'on avait déjà la dernière fois, Fanta raisin, pour au cas où si on a des trucs horribles pour se changer la bouche. Donc, apparemment du pudding ou du flan en canette. Bon ça, voilà, misole, hein. Du pudding ou du... je sais plus trop ce que c'est. Alors ça, c'est quoi ça, Bibi? Des chamallows what the fuck. Des chamallows what the fuck, voilà. Ce truc là qu'on n'avait pas mangé dans l'autre vidéo parce que c'est un truc sucré. Donc c'est un gâteau ou je sais pas trop ce que c'est en fait, voilà. Ça c'est quoi? Des bonbons litchi. Des bonbons litchi. Excusez-moi, hein, j'ai pas... Des Mikado Hello Kitty à la fraise et un truc pétillant comme ça. Voilà. Alors ça, je sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, on verra bien. On a la même chose en rose. Voilà. Et on a un autre pétillant mais rose aussi. Sinon on a des petits bonbons un petit peu, là on a des bonbons raisin je crois, genre Minta, je sais pas ce que c'est. Et d'autres bonbons bizarres, on verra bien. Alors là, ça j'ai hâte. On a un spray aux bonbons. Donc ouais. On a... Désolé, ça, ça a l'air bon ça. On a d'autres bonbons de Kitty en forme de cœur. Voilà. Et on a un paquet de chamallows comme ça, c'est bizarre. On a aussi des bonbons à la poire. Bon ça j'ai pas trop hâte de les goûter, les bonbons à la poire. Et il nous reste deux petites choses. Ce truc là, je sais pas ce que c'est. Et ce truc là, donc ça doit être une barre. Ouais, une barre de céréales à la fraise, à ce qui paraît. À ce qui paraît. Hein, que... Donc voilà. Bon bah il y a plein de petits produits. J'espère qu'on va se faire plaisir au moins une fois. Au moins. J'ai un peu peur. Au moins un produit qui pèse. Ça on va pas commencer par ça parce que je suis non, pas sûr. Non, on va pas commencer par le pudding, non, après. Bon, tu veux commencer par quoi? Vas-y, choisis. C'est pas au hasard, ça là, ça. Non, je sais pas. Ah, moi je te propose qu'on commence par ça. Là. Ok. Voilà, donc. Bah écoutez, je vais vous montrer. Donc le principe un petit peu, nous on valide ou pas et puis comme ça, ça vous permet de faire une petite commande. Voilà, comme ça, vu que vous savez pas trop en regardant l'image si c'est bon ou pas, au moins avec notre vidéo, avec nos têtes, vous verrez si c'est bon ou pas. Et alors, puis, ok. Alors vas-y, tente à main. Ah c'est du sucre. Je vais juste montrer. Une sorte de petit sucre quoi. Ah non, c'est des petits bonbons. Mais il y a des cristaux dedans. Ok. Petits cristaux, j'ai pas très bien compris. Ça c'est des trucs qui piquent, non? Je sais pas, je capte pas. Ok. Donc les amis, des petits cristaux avec des petites pastilles. On va goûter, hein. Moi je goûte juste les cristaux pour voir. Moi j'ai pas de cristaux. Ah la vache. C'est bon. Ah ça pétille. Toi t'as des cristaux, moi j'en ai pas. Mais en tout cas le truc rose, c'est bon. C'est super bon. En fait ça c'est le truc où tu viens mettre tout dans ta bouche. Ouais c'est ça. C'est un goût de... De framboise. Bubblegum. Bon, bubblegum à la framboise alors. En fait il y en a en France de ça, c'est des sachets. Tu mets dans ta bouche et ça pétille et tout. Bon c'est bon. Bon on va pas tout manger maintenant parce que sinon on aura plus faim pour le reste. Ok bah très bien, bah écoute moi ça me plaît. Moi j'aime bien ça. C'est bon. Donc du coup valide. On en a un autre bleu. Donc on va enchaîner avec ça, comme ça on aura fini avec les trucs pétillants. Oui ça doit être coca non? Comme ça. Je sais pas. Je sais pas, nous ça marche pas comme ça là-bas au Japon. Les trucs bleus, c'est du calamar, c'est des trucs chelous. Oh là là, mon dieu. On a tout fait tomber. Regardez. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, tiens. Allez, bah, tombe, tombe, tombe. Non. Je vais prendre moi-même. Mais je vais goûter le truc qui pétille. C'est bon le truc qui pétille. Mais ouais, ouais. Ah, mais ça pétille vraiment, genre ça fait clic, 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 clic. Je suis moins fan, mais c'est bon. Il y en a qui doivent aimer ce goût-là. Mais je sais pas ce que c'est comme goût. Moi j'aime bien. C'est quoi? C'est un chewing-gum on dirait en fait. Mais c'est un goût qu'on connaît en plus, hein. On a ce goût-là en France. J'ai déjà goûté ça. Non, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Du raisin peut-être, je sais pas.
Non, non, c'est... Strawberry. Je sais pas. Ça me saoule quand je sais pas comme ça. On n'arrive jamais à deviner ce bon, que c'est. En tout cas, c'est bon, mais je préfère le rose. Ouais, le rose est mieux que le bleu. Le rose est mieux que le bleu. Donc, on enchaîne avec quoi? Les petits gâteaux. Les petits gâteaux. Et le Kitty. C'est quoi les petits gâteaux? Ça. Ah non, c'est Disney. Les gâteaux de Disney, donc. Oui. Voilà. Donc... Parce que je me dis, c'est mieux de manger. Ici, on a Mickey aussi, on a Daisy, non? Non, je sais pas comment ça s'appelle. Oh là là, c'est Mini, bébé. Mini. Oh là. Et là, on a Snoop Dogg, voilà. Aucune culture. Mais il s'appelle lui déjà? Lui, c'est... Je sais, hein. C'est Snoop Dogg. Non, mais c'est le chien de Mickey. Plutôt, ouais. Voilà. Voilà, donc ça se présente comme cela. Hop là, bon vas-y, voilà. Bah ça va être bon, ça va être des petits gâteaux au chocolat à mon avis. Ça va être bon, j'aime bien comment tu t'avances. Donc, il y a une petite tête de Mickey comme ça. On est sur un classique. Classique. Classique gâteau au chocolat. Bon. Très bon, très bon. Par contre, je vais ouvrir le fantage avec parce que ça en met dans les dents. Je suis que tu l'ouvres parce que moi comment dire que je vais tout faire tomber. Donc c'est du Fanta au raisin, voilà, nouveau Fanta. Assez stylé. C'est pas ultra bon mais c'est pas ultra mauvais non plus. Bon, c'est, ça passe quand même. Donc moi je te propose qu'on goûte à cette chose bizarre. Hein. Ok. Donc, je sais pas, j'aime bien le packaging, ça fait penser à une petite canette. Le packaging me plaît. Packaging. Oh, ouais, c'est bizarre quand même comme packaging un peu. Hein. Ouais, d'accord, bon bah ça c'est... C'est pas possible. C'est quoi ce truc pourri, mon dieu. Oh là là, mais non. Bon bah ça on va pas le goûter. Hein. Ah bon? Bah j'arrive pas à l'ouvrir. Attends. Ah, vas-tu réussir? Ah. Sinon on prend des cisaillox. Voilà, c'est bon. Ah. Oh la vache, je m'attendais pas du tout à ça à l'intérieur, mais vraiment pas du tout à ça. C'est quoi? Des boules. What? Ok, alors je prends une petite boule. Alors. Oulala, ça, j'ai pas du tout confiance en ce truc là par contre moi. Voilà. Je le sens pas. Hein. Tac tac tac. Ah. C'est très acide. Ah, c'est acide. Mais ça se dissout bizarrement. Ça pique dans la bouche. Ah vache. Ah putain, mais ça fait... C'est chimique. Ah, ça fait... C'est grave chimique. On se croira en quatrième qu'on va être... Mais ça remonte à moitié, je sais pas ce que c'est. Moi, je le vis toujours mieux que toi, j'ai l'impression, ces trucs-là. Ah ouais. Je vais en finir, moi, c'est bon. On peut recracher. Mais je sais pas, ça me... c'est bof, quoi. C'est un truc qui pique. Non, mais ça fait exactement ça. C'est acide. En fait, ça fait plein de mousse dans la bouche. La mousse qui pique. C'est pas super bon hein. Ah franchement, on va être pas ça, on va être pas du tout. Et en plus le. Bof, hein. Et le pire c'est qu'il y en a encore un bleu. Ah là. Oh non. Mais si. Non si. Je veux pas moi. Mais moi je vais goûter le bleu pour voir ce qu'il est meilleur. Ça goûte le bleu, mais moi déjà j'arrive même pas à finir le violet donc. Donc en fait on a fait comme les autres gâteaux, on a pris un rose, un bleu. Ah là là. Bon, ça passe. Non mais c'est. C'est goût raisin je crois. De toute façon, eux, le rose, c'est toujours raisin. Hein. Ouais. Ils connaissent pas autre chose. Hein. Ils vont peut-être un autre fruit, mais ça va être raisin. Donc on a le même système de boules. Génial. Ça colle. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment de la mousse à l'intérieur de votre bouche, genre. C'est vrai. T'as l'impression que c'est de la mousse. Par contre ça colle aux dents, c'est horrible. Hein. Et pour être présentable après c'est compliqué quand même. Mon dieu, mais je mets juste en moitié quand ça met de la mousse moi. J'aime pas trop moi. Je trouve qu'il laisse pas tranquille ta bouche, tu vois. Genre c'est pas une dégustation en finesse et tout, tu vois, genre c'est brutal. Voilà. Pauvre Miss Jirachi. Mais il y a un jeune d'œuf ou quoi hein. Je sais pas, le truc à l'intérieur, je l'ai trouvé bizarre moi aussi. On reprend du Fanta. Hein. Ah, on valide pas du tout ça. Non. Par contre, le Fanta, on valide. Ouais, le Fanta, il est bon. Ça va. Par contre, le truc au pudding d'après, là, ça me fait peur, moi. Franchement... Ah ouais, c'est meilleur que ça, le Fanta. Bon, c'est pas grave. Faudrait racheter de la viande séchée et refaire une dégustation salée. Hein. C'est beaucoup mieux. On verra ça dans quelques semaines. Hein. Donc, les amis, on va enchaîner avec quoi?
Oh, je sais pas, mais il y a que des bonbons là, on va mourir. Tu veux un gâteau? Ouais, des gâteaux. Vas-y. Allez. Chocolat. Allez, ce truc là, il a l'air d'être bon. Mais en fait, tout a l'air d'être bon, mais après au final. C'est pas bon. C'est middle. Middle, mais c'est trop chimique en fait. Hein. C'est un gâteau bizarre. On va vous montrer, ça sent. Ça sent le chocolat. Je sais pas. What? Il y a toujours des trucs surprises dans leur bordel. Do not eat. Ne pas manger. Ok, ne mange pas. Mais bon, je le mangerai pas cette fois-ci. Donc voilà ce que c'est, une espèce de donut. Tiens, il est du tout pas morceau. Pourquoi c'est moi qui t'ai coupé? Parce qu'on sait jamais s'il y a un truc à l'intérieur. Voilà. Voilà. C'est parti. C'est un gâteau au chocolat, quoi. Ça va. Là, je suis sauvée, là. Pas de soucis. C'est plutôt bon. Mmh. Bon, je reprendrai pas, mais c'est bon. Mmh. Parce que c'est lourd. C'est... Oh, mais c'est pas vrai. Les morceaux qui, tombent. Donc, ouais, bon, c'est quoi? C'est un petit gâteau au chocolat, en fait. Ouais, mais en gros, faire une commande sur Amiami pour acheter un gâteau au chocolat... Bah, moi, je pensais à un autre truc. Bon, bah, je sais pas. Autant acheter des gâteaux à Carrefour, c'est vrai, pareil. C'est vrai. Hein. Pour rajouter cette sauce-là, pour rajouter un peu de piment... Non, rajouter surtout pas ça, il faut pas le manger. Hein. Il y a écrit Donut Eat. Donut Eat, et moi, je l'avais mangé l'autre fois, en plus. Ouais, il en avait mangé. Et ouais, non, mais bon, c'est une catastrophe. Il en avait foutu sur les... Sur la viande séchée, je crois. Sur la viande séchée. Mmh. Voilà, donc bon, on va goûter ça. Je sais pas, ça m'a intrigué. Mais c'est un bonhomme bizarre, en fait. Je sais pas si c'est pas un bonhomme, je sais pas ce que c'est, mais... Ah, là, je le sens vraiment pas, celui-là. Vas-y. Je suis déter, moi. Allez, voilà. C'est parti. Ah, mais je déteste, mais c'est pas possible. Alors, ok. Ça ressemble à ça. Vous voyez la main de David, vous voyez rien. Ouh là là. J'ai pas du tout confiance en ces trucs-là. Allez, vas-y. Moi, j'aime bien. Ça pique, en fait. Ça pique beaucoup, c'est très très acide. Mais si vous aimez les trucs acides, bah, vous allez aimer ça. Hmm? Alors, ça c'est bon. Je sais ce que c'est. Mais c'est à l'orange, non? Non. Un bonbon à l'orange acide. Bonbon au soda, je pense. Soda? Ah ouais, peut-être. En fait, les amis, c'est une gomme. Vous savez, il y a des gommes qui sont vendues au supermarché. Vous pouvez mâcher, ça reste longtemps. C'est pas une gomme, mais c'est une gomme. Il y a juste de l'acide, du truc acidulé, non? Non. Je sais pas, mais le en gros, il y a un petit filtre, enfin il y a un petit truc au-dessus, une sorte de farine si vous voulez, mais en mode acide, et en dessous, bah, c'est bon. Non, tout est bon en fait. Ça. Ouais, tout est mais bon. Mais c'est très acide au début, tu sens valide. Pas, c'est sans en mode valide, de... hein. Franchement, c'est... Ouais, ça c'est bon. Je m'attendais ça va. Je m'attendais à beaucoup plus pire que ça. Ça va. Un truc qui me tente depuis que j'ai ouvert le carton, c'est le spray de bonbons. Alors le spray de bonbons... Donc apparemment c'est un spray qu'on a pu, bah voilà. Ok, ça va être bon ça. Oui. Bah, pour l'instant il n'y a rien qui était vraiment dégueulasse. Hein. C'est vrai. Non mais c'est parce que c'est des bonbons, c'est une valeur sûre. Donc apparemment c'est un spray comme ça. Valeur sûre. Ouvre ta bouche. Putain, je suis en train de manger. Fais-le toi. D'abord. On peut manger ça, hein. C'est pas un... Bah oui, attends, si c'est sur Amiami on peut le manger. Amiami? Non, quand il sale. Ah oui, quand il sale. C'est un gros problème avec ça. Bébé! Bah attends, il fallait bien que ça marche! C'est pas possible. Mmh, c'est bon. Mmh. Ah, c'est bon. Moi, j'aime bien. Fais voir. Ah, t'es fan? Bébé, fais voir. C'est bon. J'aime bien. C'est un spray qui donne un petit goût raisin. Mais raisin, pas trop quand même. Hein. Parce qu'il y a une tête de raisin sur le truc, mais je sais pas, ouais c'est bon, ça va, ça passe. C'est original. Bon. Ouais c'est bon. Non, c'est original, bien. Bon le spray je vous le recommande. Hein. Pour l'instant c'est le meilleur produit, ouais, hein. Ouais, c'est ouais, spécial. C'est première fois que je vois ça, donc ouais. C'est cool. Bien. C'est cool. Franchement bien. Ça c'est bien. Je valide, tu reprendras ça. Tu reprendras de la viande séchée aussi. Mais attends, elle était pas bonne, elle était pas bonne la viande séchée. Si, elle était bonne. N'importe quoi. Si, elle était bonne. Moi elle était pas bonne parce que j'ai mis des trucs dessus. Voilà. Bah voilà. Donc là on a des bonbons à la myrtille. D'accord. Bah apparemment hein. Tout ça c'est une baie dans Pokémon la baie aura. Je sais pas mais tu... Ah oui tu ouvres bien ça. Tac. Allez. Alors. Merde de Dieu.
Mère de Dieu. Ok, donc ça se présente comme celle-là. Par contre, c'est trop chimique, hein, vraiment, genre c'est en train de remonter là, toute la chimie elle remonte. Bébé, pourquoi t'as des poils sur les mains, mon amour? J'ai pas de poils sur les mains. Si. C'est un cil. Ah, d'accord, mon cœur. Bon alors. Poils sur les mains, mais n'importe quoi. Allez, c'est parti. Oh, c'est dur. Ah, c'est dur. Ah. J'ai voulu croquer direct, c'était trop dur. Oh, c'est trop bon. Ça va. Non, moi je croque pas. Trop dur. Oh, moi j'adore. C'est sympa. Franchement. Ah ouais, franchement c'est cool ça. J'arrive pas à, mâcher. Pas mal. On valide. Ouais, c'est des petits bonbons mais tout dur, mais vraiment super dur à la myrtille. Bon après quand tu croques c'est vraiment assez à la fin. C'est dommage. Bon. Moi je sais pas, j'ai pas réussi à croquer. Moi ouais, ça va. Ok, bah écoute. Super. J'arrive pas à croquer mais c'est pas grave. Ça va rester dans un coin. Non ça on le garde pour la fin, génial. Génial. Bon écoute, on va devoir y passer hein. Le pudding? Je sais pas si c'est du pudding ou du flan. Attends, moi j'enlève ça parce que sinon j'en aurai pour une demi-heure à le finir. Donc bon allez, c'est parti. Flan en canette, pudding en canette ou autre chose en canette, je sais pas trop. Bonne chance à nous. En fait, nous on est trop gentils, on est des testeurs. On est des testeurs. Et après, eux ils vont savoir si c'est... Oh la vache. Je veux pas manger ça. Je t'ai promis que tu vas manger. Non. Ah la vache. Non, ça a l'air dégueu. On ça, dirait du vomi à l'intérieur, c'est non, horrible. Arrête. Hey, direct, tu dis des trucs qui dégoûtent. Allez, bébé dame. Non, non, c'est toi qui commences. Mais pourquoi? Bah, c'est ta vidéo, c'est toi qui commences. Pierre, feuille, ciseaux, on apprend. Vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, c'est vu. Quelle arnaque. Je suis là que si je mange ça, je vais vomir. Allez, vas-y. Pourquoi c'est moi qui devrais commencer? C'est ta vidéo, attends, c'est tes abonnés, hein. Attends, c'est pas, c'est pas périmé, c'est pas possible. Vas-y, vas-y, bois là, c'est bon, peut-être que c'est bon, je suis sûre que c'est bon, ça va. Je suis sûre que ça a un goût de crème anglaise. Goûte. Goûte. J'en ai pas pris beaucoup, vraiment pas beaucoup. On a un sonnerie sympathique. Alors, t'en penses quoi? C'est un goût de crème anglaise, c'est ce que je disais. C'est pas la même définition de la crème anglaise, mais... C'est un goût de crème anglaise, mais avec des grumeaux à l'intérieur. C'est pas très très bon. C'est vraiment chelou, hein. Ouais, non, c'est pas... Non. Surtout n'achetez pas ça. Stop. Surtout pas ça. Je propose de faire tout de suite. Enfin, je vous dis à tout de suite. Et donc, bah nous, voilà. Donc, il nous reste encore au moins une petite dizaine de produits, on va dire. Oh, super, génial. Bon, franchement, j'ai je propose de goûter ça. Ok. Ok, des petits bonbons comme ça, des petits chamallows, c'est tout mou en fait. Tac, 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 tac. Moi ça m'inspire ça. C'est le seul truc qui m'a vraiment inspiré, tiens. Ouh là là. Tadam. Moi ça m'inspire pas du tout, du tout. Allez, voilà. Il y a un truc à l'intérieur. Oh, le truc à l'intérieur. Le truc à l'intérieur est vraiment pas bon. Ah merde, mais c'est quoi? Ah, ça me fait penser au bonbon Harry Potter, là, le goût chaussette. Oh, le troll. Bébé, je veux pas finir. Ah, moi, je finis, mais tu finis, tiens. Non. C'est mort, hein. Non, 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 moi, je finis pas, hein. Non. Là-bas, Burke. Ah non, c'est pas bon. C'est le seul truc qui m'inspirait. Ah non, bah, t'as pas géré, hein. C'est pas bon. Oh là là. Ah, mais c'est... au litchi, ça a l'air bien. Allez, les bonbons litchi. Ouais. Donc ça a l'air d'avoir une forme bizarre. En fait, je crois que j'ai jamais bouffé de litchi, donc du coup... T'as jamais mangé de litchi? Non, je crois pas. Ah, y'a... Ou très très rarement, et je me rappelle plus du tout du goût, donc... What? Oh. Oh non, moi oh, j'aime... Non. Oh, j'aime pas les trucs comme ça, moi. Ah, par contre, ça s'embête de bon. Ah non, moi j'aime pas les... Alors l'autre fois, on avait... Dans une... Ah non, mais si, on avait fait des... On avait commandé des melons. Oh, et le titre, c'était Melon Power. Et c'était des oh, en forme de melon. Oh bébé, qu'est-ce que tu racontes que ça sent bon? Si, c'était bon, les bonbons en forme non, de mais melon. Non, mais là, ça sent... Là, en forme de litchi. Tiens, prends ça. Ah si, c'est bon. Moi j'aime pas. Ah si, à l'intérieur ça sent trop bon. Sentez-moi ça les amis. C'est trop bébé. Ça sent trop. Ah moi je kiffe trop ça. C'est un goût de litchi. Mais c'est un bonbon gélatineux. Et moi j'aime pas trop ça les bonbons gélatineux à la base. Je vais expliquer pour qu'il y ait une japonaise qui fume sur le paquet. Allez, ouais.
C'est n'importe quoi. Je sais pas. Aucune idée. C'est n'importe quoi. Franchement, moi ça je valide. Moi je kiffe prendre. Ça va. Alors, pour ceux qui aiment bien le litchi, pour ceux qui sont fans de litchi, c'est d'art. Ah ouais, non, non, c'est trop bon. Moi je trouve ça trop bon. Bon, allez, on goûte ça. C'est quoi? Les bonbons 3D World. Allez, vas-y. Donc les bonbons Mario. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être cool. Ta. Ouais, surtout c'était Mario, donc du coup on a pris, c'est tout. Ouais, ouais, aussi. Merde de Dieu. Alors déjà, on a des petits stickers. Les autocollants. Ouais, les autocollants. Génial. Génial. Alors. Tac. On va prendre des petits paquets. Mais juste. Tu t'en prends autant que ça, toi. Mais non, je veux juste les présenter. Donc on a sur les petits bonbons ça. Ce bonhomme-là. Ouais. Je connais pas. Ces bonhommes-là, mais c'est pas Mario ça, c'est un scandale. Si, c'est Mario. Ouais, mais c'est dans le nouveau jeu, bah je l'ai pas joué à ce jeu-là. Bah le rose, c'est Mario en tout cas. Hein. Avec des petites... Harmonie, l'étoile verte. Écoutez, moi je vais prendre un bonbon Harmonie. Et moi je vais prendre le bonbon Mario. Voilà, je mets ça ici. Allez, c'est parti. J'espère que ça va être... Oh, il est tout vers le mien. Et moi il est violet. Yeah, yeah. Moi il est tout violet. Là, je pense que le mémoire il va être mieux. Bon bah goût raisin hein. Bon bah goût pomme hein. Goût raisin. En fait le rose là-bas chez nous c'est presque framboise. Chez eux c'est raisin. Raisin. Eux c'est raisin. C'est tout. Le raisin c'est pas forcément rose. Bon bah ouais. Petit bonbon basique au raisin. Et ça date de 2013. Mais j'en ai un peu marre de bouffer du raisin tout le temps hein, sans déconner. C'est un peu lourd pour l'estomac. Date de 2013. Hein. Ah. 2013. Mais peut-être les stickers qui ont été faits en 2013 sinon. Non, non. Non, non, les bonbons. Mais de toute façon, les bonbons, c'est conservable toute sa vie, non? Ouais, je pense. Bah ça va. Alors attends, fais juste faire le paquet, bébé. 2015, il y a écrit. Ouais. Il y avait des verts, des roses, des jaunes et des violets. On en retente un ou pas? Si tu veux, hein. Allez, t'as pris quelle couleur toi? Moi j'avais pris rose. Non, tiens. Tiens. Non, mais non, justement, faut prendre les couleurs qu'on n'a pas pris. Et... Mais j'ai déjà pris cette couleur là. Ah bon? Oui, mais j'ai déjà pris rose. Enfin, j'ai pris violet moi en fait. Ah bon? Ouais. Ah tiens alors. Super. Du coup, moi je vais prendre un. C'est un jaune. Mais attends, moi j'ai orange. Ça a l'air dégueulasse orange. Ah, je capte pas le concept de tes couleurs là. Bon, moi je prends un comme ça. Allez, je prends un truc avec une horloge. Donc ça, c'est quelque chose qui est rajouté du temps dans le jeu. Non, faut que tu prennes jaune. Waouh! Mais non, jaune, j'ai déjà goûté, c'est le vert. Attends, mais j'ai même pas fini le violet, c'est pas possible, je peux pas faire. Allez, c'est parti. Ça, c'est le rose. Ah non. Il a l'air bon. C'est quoi? Du raisin! Sérieux, même le rose, c'est du raisin? Du raisin, un peu plus raisin que d'habitude. Ah! Sans chimique. Sans quoi? Sans chimie. Ah, sans chimie. Il dit sans chimique, oui. Bon, d'accord. Non, mais j'avais pas compris. Ok, bon bah voilà, hein, c'est du raisin quoi, hein, basiquement, ouais. Vous pouvez en acheter, vous pouvez en acheter, c'est bon. Alors, tac, il nous reste pas mal de choses, il nous reste ça, oula, ça, en fait il nous reste plein de choses encore. Ah, génial. Allez. Je suis trop une cobaye dans ces trucs là, parce que... Autour de la patte de chat. Alors ce qui paraît c'était du vrai chat, mais qui a 12% de chat je crois, un truc comme ça. Donc voilà, 12% de chat, donc je pense que c'est mangeable quoi. Moi je mange pas de chat hein. Il y en a que 12% dedans. Non mais... Ouais effectivement ouais. Donc c'est de la gélatine de... Oh non. De la gélatine de coussinet non, de chat. Je peux... Arrête. C'est horrible. Mais t'as vu ce que tu racontes? Mais non mais je rigole, c'est bon tiens. Oh... Je rigole, c'était pas 12% mais 8%. Mais arrête. C'est bon. Bébé, j'ai pas envie de manger ça. T'es quoi? C'est bon? C'est vrai? Non mais tu mens là en fait. Non. Non mais vraiment. Ouais. Non mais moi je vais faire une overdose de bonbons sans déconner. Hein. Bobol. Bah. C'est son chien. Mais arrête. Mais arrête un peu. En plus, il s'est fait écraser son chat. Arrête un petit peu. Ouais. Allez, mange ton bonbon. C'est bon le bonbon. Hein. Non, n'achetez pas la pâte de chat.
Bah en tout cas nous on est... Ah non mais c'est dégueu. Non non, n'achetez pas la pâte de chat les amis. Non non. Bon moi bon, je pense que certains d'entre vous vont aimer mais moi c'est pas possible. Non c'est pas bon. C'est pas parce que c'est une pâte de chat mais le goût intérieur ah, est non, vraiment... Ah non non c'est pas bon. Chelou donc non non non. Ah non non non. Non 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 non. Non non non. J'ai ah, même pas pu manger, c'était pas possible. Alors on a les bonbons à la poire. J'en peux plus moi. On a les bonbons à la poire. Ouais c'est vraiment une énorme dégustation là. Ah ouais c'est une énorme dégustation oui. Wouh. Non non je sens pas du tout. Sentez-moi cette odeur. S'il vous plaît. Alors. J'en peux plus bébé. Allez allez c'est... Oh, oh ça a l'air dégueulasse. Tiens bébé, prends-en un. Allez 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 tu prends. Allez. C'est pas possible, tiens. J'aime pas la poire à la base, alors tu me fais goûter des bonbons à la poire alors que de base j'aime pas ça. Allez, 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 allez. Oh là là. Alors, il y a poire et pomme bizarre et il y a un cœur fondant. En fait, ça a un petit cœur fondant à l'intérieur. Génial, en plus j'ai un cœur fondant. Non, moi je kiffe, hein. Ça c'est bon, ça c'est encore meilleur. J'adore ce truc là. Non mais même pas. Alors, ah, ah. Mais ça c'est le pomme. Ouais même pas non. Trop chimique encore. J'étais trop. Bah tant mieux hein. Ça ça aide. Je trouve ça trop gélatineux trop. Bon bah moi je compte. Moi je vais aller. Pour tous ceux qui sont vraiment fans de la poire, mais vraiment du bon goût de poire. Ouais, de la vraie poire. Mais si vous aimez pas trop la poire comme non, moi. Non, prenez pas ce que vous aimez pas ça. Voilà, bah je vous dis what. Ok. Sympathique ça. Allez. Alors il nous reste quoi? Il nous reste... Essaye de trouver un truc ça, bon s'il te plaît mon cœur. Ça. Ça. Les trucs Mika. Mika de Ouais ouais prends ça, prends Kitty, ça c'est bien ça. Et Mika de Hello Kitty. Ouais ouais ça va nous changer un peu je pense. Allez. Ça va faire du bien. Ça va changer les idées. Ou pas. Si si si. Ah j'adore leur concept, encore un paquet à l'intérieur. Ouh ça va être des jolies pâtés à la fraise. Hein. Ouh là 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 là. Oui oui oui. Hein. J'aime pas le rose bébé. Oups. Ok. Je n'aime pas le rose. Non, j'aime pas le rose. Je trouve que ça fait trop fille. Oh, oh ce stéréotype. Hop là. Ok. Allez. Je sais pas pourquoi on pense la même chose. Je déteste ça. Pourquoi? Tu vas. Bon, en gros, imaginez un Mikado. Mais avec, au lieu d'avoir de la ganache au chocolat, vous avez une ganache à la fraise. Et c'est exactement ça. C'est pas la fraise. Hein. Je suis. Je suis ah, c'est fraise à fond. Ouais. Je suis pas... T'aimes pas ça, mais tu vas en reprendre, hein. Oui. Parce que j'étais bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste le truc par-dessus pour savoir ce que c'est. C'est de la fraise. C'est de la fraise. Non, c'est bizarre. Hein. Non, c'est de la fraise. Ok. Bah écoutez, si vous aimez la fraise, ouais, si vous aimez surtout, si vous aimez pas grand chose de ce qu'on a fait, oui, prenez, prenez ça, ouais. Effectivement. Bon, il y a eu mieux que ça. Hein. Donc il nous reste 4 objets, oh là là. 4 items. Allez, on va se manger ça. Vas-y, balance ce truc là. Ça, tu le vois depuis le début, ça, tu l'appréhendes. Hein. Ouais, je sais pas, il m'inspire pas du tout. Oh là là, oh là 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 là, c'est moelleux. Ouais, bon, texture chamallow encore, hein. Cœur fondant ou pas? C'est des chamallows au chocolat. Miam miam miam. Ah c'est bon ça. C'est grave bon j'en crois. Mmh. Ah ouais. Là, là ça va mieux. Ah là. Ouais. Alors ça comme on les en deux ou trois paquets. Mmh. C'est des chamallows, donc si vous aimez les chamallows, c'est bon. Et au chocolat. Donc, mais un bon chocolat. Ouais. Un bon goût de chocolat. Un chocolat qui me rappelle mon enfance. Oh, je sais pas pourquoi. Tu veux te faire la note? Non. Non, 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 surtout pas. Mon ventre après il va exploser, surtout que ce soir on doit manger. Comme tous les soirs. Oui, c'est vrai. Alors, on est dans une heure et demie là. Et on se bourre de gâteaux, de bonbons. On se bourre pas, ça va, franchement, au final. Au final, c'est pour vous faire plaisir. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah lui il est tombé. Bah oui c'est de ma faute, je sais c'est moi qui l'ai fait tomber. Lui il a rien dit en plus. Bah non. Donc il nous reste 3 petits objets les amis. Vas-y. Allez. Là, ça va être sympa ça tout ça. Ouais ça. Allez, il nous reste un truc à la... Minta. Minta. Alors, Mintia. Minta, ça va être un truc au raisin j'imagine. Sugarless, donc sans sucre. Ou moins de sucre. Parce que laisse veut dire moins je crois.
Le sugar, ça veut dire sucre. Ouais, plus c'est moins magnifique. Ok. Bon. Allez, c'est parti. Ça commence mal. Voilà. Ok. Oh là là, c'est déjà c'est une mini entrée. Des petits trucs comme ça. Ok, c'est parti. Ah tiens la canette. Ah oui, la canette qui sauve. Hein. Mais ça c'est bien ça. Moi j'aime bien. Voilà. Ça c'est magistral ça. C'est bon. Ça c'est bien. Ah ouais? Non. On prendra tout après bébé. Ça c'est extra. Ça c'est juste extra. Pour goûter quoi. Ouais, ça c'est bon ça. Extra, franchement, c'est top. C'est très... Allez, il reste deux produits. Je commence à avoir la tête qui tourne. Hello Kitty et la barre. Oh là 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 là. La dernière barre là, elle m'inspire pas du tout. Qu'est-ce qui nous a pris encore? Je sais pas. Mais le sucre, t'as moins de risque quand même. C'est vrai, moi je confirme qu'il y a quand même moins de risque. Oui, non mais je suis d'accord, mais c'est... Tout est pareil un petit peu. Hein. Tu gardes le même goût pour tout à la fin. Ouh là là. Ouah, on a plein de petits cœurs de toutes les couleurs. Génial. Allez, prends des petits cœurs. Moi je prends le violet, ça va être raisin comme d'habitude. Moi je prends le rose qui va être raisin aussi. Bon bah raisin hein. Bon bah rien du tout. Les jaunes, tiens. T'as un arrière-goût assez... pas bon. Ah non. Je trouve que c'est un arrière-goût de terre un peu genre. De terre? Ouais. Ah ouais ouais non. Ah non je suis pas fan en fait. Non, non, je sais pas, l'arrière. Les verts sont les meilleurs. Pas, non. Passons à autre chose. Ouais, je ramène ça à l'intérieur. Pas... Non, alors les bonbons Hello Kitty, c'est pas franchement top. Non, pas trop. Mais en fait, j'ai l'impression que tous les trucs Hello Kitty, même si bah, Hello Kitty c'est cool, tu vois, bah, c'est juste la marque en fait, Hello Kitty, tu vois. Après, c'est pas forcément bon. Moi, j'ai fantastique, s'il te plaît. Du fond, t'as raison. Voilà. Il en reste un? Oui, il en reste un. Génial. Tiens. On a bientôt fini. Allez, il nous reste un gâteau. Comme ça. Ouais, mais il est bizarre. Hein. Le dernier. Il a une tête un peu chelou. Et donc. Suspense. Oulala. Oulala, aucune inspiration sur ce gâteau. Aucune inspi. Un gâteau rose. Déjà, j'ai jamais vu un gâteau rose de ma vie. Attends, on va se diviser ce morceau-là en deux. Parce que là, ça va pas être possible. Hop là, tiens, c'est ta partie. Pourquoi toi, ta partie, elle est miniature? Mais non, c'est juste que c'est un effet d'optique. Ouais, c'est ça, ouais. Allez. Tiens. Ah, bébé? J'en peux plus, là. Je vous promets, j'en peux plus, les amis. Alors, les trucs Hello Kitty, esquivez les trucs Hello Kitty. C'était pas Hello Kitty le dernier bébé. Mais si. Non. Ah bon? Ah ouais. C'est pareil, esquivez quand même. Non, le packaging c'était ça. Non, prenez pas, non. C'est pas un truc bizarre. À la fraise comme vous pensez en fait. C'est un truc au chocolat fraise. Ça fait penser aux mauvaises crottes en chocolat, qui sont vraiment bas de gamme que vous pouvez trouver dans la poubelle d'ailleurs. D'accord. Non, ça fait penser à des mauvaises crottes au chocolat. Ouais. Non. Que je réponde d'un goût de fantasme que je vais pas pouvoir finir. Bon. Alors notre truc préféré. Notre truc préféré. C'est les chamallows au chocolat. Wouh. Les gâteaux Mickey. Ouais, les gâteaux Mickey. Les gâteaux Mickey. Bah en gros c'est des gâteaux basiques quoi. Les chamallows au chocolat. Ouais, ça c'est original. C'était très bien. Vous trouvez pas ça partout Ça. Non. Si. C'est pas ça qu'on aimait bien. Ah non, c'était les Minta qu'on aimait bien. Ouais, bah je sais pas où elle est la plaquette. Les petites Minta. Non, mais dans l'ensemble, on a tout aimé sauf deux trois petits trucs. Donc le truc Hello Kitty pas top. Un truc pétillant dans la bouche pas top. Ouais, le début là, pétillant dans la bouche pas top. Ouais. Il y avait un qui était bon acide, là, le gros bonhomme là. Lui était bon acide, j'ai bien aimé. Et puis voilà, voilà. Tout, ouais. Et le petit spray là. Et le petit spray. Alors, ça, ah, passe-moi le petit spray. Moi je vais m'en remettre. Donc les amis, j'espère vraiment que... Enfin, cette ouverture, c'est que... Dégustation candy, ça ne vous aura plu. Comme toujours, moi je prends toujours autant de plaisir à la fin, j'espère que toi aussi. Ouais, ça va. Ça fait toujours plaisir de goûter des choses différentes. La prochaine, je ne sais pas quand elle sera parce que je n'ai pas encore fait de commande. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert si vous voulez une autre commande et faites-le moi savoir. Là-dessus les amis, portez-vous bien, faites attention à ce que vous commandez et je vous dis à très bientôt. Bye. Peace.